me présente, je suis Petronio Sania et je suis auteur de romans policiers, dont les deux prochains sortiront le 22 mars, un chez HarperCollins qui s'intitule « Quand t'ouvriras les yeux » et le deuxième en poche, toujours le 22 mars, « J'aurais aimé te tuer ». Donc je suis là pour répondre à trois questions de lecteurs que l'on pose très souvent. Pourquoi avoir choisi le genre policier ? Bah, tout simplement parce qu'avant d'être auteur, je suis avant tout une grande lectrice et je ne lis que du polar, que du thriller psychologique, j'adore ça. Donc le jour où j'ai voulu me lancer dans l'aventure littéraire, c'était une évidence pour moi de partir au polar. Qui décide du déroulé de l'intrigue ? Vous, vos personnages ? Aha. Alors j'ai envie de dire un peu les deux. D'abord c'est moi qui choisis en effet le thème que je vais aborder, l'intrigue principale. Mais comme j'ai énormément de personnages dans mes romans et que je me mets à leur place quand j'écris mes chapitres, j'ai envie de dire qu'au fur et à mesure que j'écris, je ne sais jamais la fin de mes romans. Et c'est vrai que je me mets à la place de mon personnage et je me dis qu'est-ce que je ferai à sa place. Et hop, je me mets à écrire le chapitre suivant. Donc j'ai envie de dire quand même qu'au fil de l'eau, c'est plutôt le personnage qui va prendre les devants. Est-ce que vous vous interdisez des choses ? Oula, oui, non. Au départ, je m'interdisais d'écrire sur les enfants et d'aborder la violence auprès des enfants. Et en fait, j'ai réalisé qu'il y avait quand même pas mal de faits de société qui me dérangeaient et sur lesquels je voulais aborder. Donc, en fait, j'ai complètement sauté cette interdiction. Et dans mon dernier roman, Je pense être épargné, je me suis attaquée justement à la violence sur les enfants intrafamiliale. Et dans Quand tu ouvriras les yeux, j'attaque aussi la prostitution des mineurs. Comme quoi, entre ce qu'on imagine faire et ce qu'on fait, il y a beaucoup d'écart.